Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, parce que pour ma part je vais vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui nous trouvons pour le troisième volet comme prévu sur Five Nights at Freddy's 3 de 2015 par Scott Cantwell. C'est parti, new game. C'est parti, Fazbear Fright, The Horror Attraction. Donc on est un garde de nuit, hein, et on doit survivre par des heures de robots, tout ça. Minuit, première nuit. Oh putain, plus ça rime, trop fort. C'est parti, donc ça fait super longtemps. Ok, damn it. On va le laisser. Fais ta gueule, non. Il me saoule plutôt qu'autre chose. On va s'amuser parce que la première nuit il y a toujours rien qui se passe. Donc du coup ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Five Nights at Freddy's. Je suis con. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas fait sur ce jeu là, sur le troisième volet. Et donc du coup ben ça fait plaisir quoi, de se trouver pour des trucs horreur. Enfin bref, on va se quitter là parce que je sais que la première nuit c'est plutôt badass, démonstration et tout. Donc du coup on se retrouve à tout de suite les amis. Voilà, comme vous avez dit, rien de spécial, nuit intranquille. Voilà, hop, ça c'est fait. Et aussi, petit bonus, il y a aussi des jeux bonus qu'on peut interpréter et qu'on peut jouer. Regardez, de toute façon, le jeu parle en lui-même. Donc là, on est Mangle Quest. Donc là, on doit reconstituer ses membres. Parce que souvenez-vous, elle a été abattue par une sorte de marteau. Par Chica parce qu'elle était jalouse parce que elle sortait avec Fuxi, son meilleur ami. Lol. Bref, c'est parti pour la nuit de minuit. Donc là, il va y avoir un peu plus de suspense. Donc je crois qu'il y a 3 nuits sur ce jeu. Et pas comme Five Nights at Freddy's 4. Il n'y en a que 2. Malheureusement, on l'a testé ensemble. Donc du coup. Yes, sir. En fait, pour résumer, en fait, c'est que maintenant il y a des animatroniques qui bougent et tout, et donc du coup il faut vérifier les caméras. Et aussi, s'il y a beaucoup de trucs qui truquent, ben on doit tout faire réaliser ces erreurs parce que parfois il y a des animatroniques qui peuvent casser des trucs, des générateurs. Et donc du coup il va nous dire faites attention, ils peuvent bouger et tout, donc faites attention à tout ça. Voilà. Donc là il va passer un enregistrement de la nuit 2. De Scott Cantwell. Et si on l'amène ici, il va vraiment venir ici? Oh oh. Oh putain, ça commence direct les amis, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc du coup, je suis pas trop bon. Pas trop bien et pas trop bon. Oh god damn, j'aime pas ça. Ah oui, c'est vrai aussi, les conduits. Oh merde. Oh putain, 1h du matin, nuit 2, putain, ça fait mal. Je le sens. Oh mec, ça se rapproche. Mec, c'est où? Putain mec, il est ici, c'est pas possible. Mec, il est ici, c'est pas possible, je l'entends de plus près avec ces bruits là. Putain de merde. Putain de merde. Je le vois pas. Putain. Le bruit se rapproche, hein.
mec, il est ici, c'est sûr. Mec, je l'ai pas dans mon champ de vision. Putain, il a en profité pour s'échapper. Pour... Ah putain. C'est quoi ça? J'ai trop zappé donc j'ai pas trop bien. Je crois que c'est Ballon Boy qui voulait te faire une surprise. Mais non. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Ah ouais, c'est pas comme. Mec, on est tranquille. On voit pas. Merde, non, non. Putain de merde. 3h du matin, j'en étais sûr que Ballon Boy allait arriver. Putain. What the fuck? Point track, t'en as un gros chat. Ah non, t'en as pas. T'as un animatronic. T'as un robot, mec. Putain, mec, je l'ai vu. Arg. Il est casse-couille. Putain. Donc, ça fait super plaisir de se retrouver sur Final Fantasy XIII. Même si. Mec, il est ici. Mec, c'est à cause du truc là, putain, 4h du matin. Oh mec. Merde, 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 merde. Il est où? Mec, on aura fait deux nuits. Mec, on est tranquille, mec. On s'en fout, regarde. Est-ce qu'on va y arriver? Normalement, oui. Hein. J'ai bien calculé. Non, il viendra pas. J'ai bien dit normalement, il viendra pas. Putain. Yes. Je l'avais dit, ma gueule. Je l'avais dit. Et deux nuits, hein, mec. Bon, enfin, la première nuit, c'est vraiment un truc débutant, sérieux. Non, mais c'est rien. Hein. Alors, c'est quoi le truc? Ah oui, on doit ramasser des sortes de petits cakes pour les enfants. Donc là, on est Chica. Petit jeu animation. Fanny Dead Freddy's. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura peu que deux volets. Et il y aura aussi des autres volets, il y aura des bonus, des trucs du genre. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du Final Fantasy Freddy's jusqu'à temps qu'on finisse vraiment tout. Et Final Fantasy Freddy's, bon là, malheureusement, on pourra pas parce que c'est payant et je ne peux pas. Dommage. On va essayer de se faire la troisième nuit, les amis, parce qu'on a 9 minutes donc ça serait mieux de faire au moins de 12 minutes. Sérieusement, ta gueule, hop, ok. Pour l'instant, on va vraiment attendre qu'il vienne vers nous. Ok, donc il dit. Ok.
vraiment le voir la tirer. Hein. Putain. Ok, il est où? Ah, il est là. Donc, du coup, il va commencer à s'approcher tranquillement. Je vous appelle quand il y a de l'action. Putain, fait chier. Ballon Boy, il casse les couilles, sérieux. J'ai eu un jumpscare de Ballon Boy dans ma caméra. Et l'autre qui va arriver comme un gros connard. Faire un jumpscare, il va dire coucou. Et je suis pas bon, je suis pas bien. Mec, je pensais pas qu'il arrivait, sérieux. Game over. Je pensais même pas qu'il arrivait. Hein. Putain, fait chier, on a fait les trous. On va dire on a fait de lui. J'espère que vous aurez plus dans Next Max de pouces bleus. Je compte sur vous pour les pouces bleus. Et nous on se retrouve pour un 4e épisode si vous mettez la barre de pouces bleus demandée. On se verra, tu m'as signé. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.